26 juin 2014, une délégation de Kemet s'est rendue de Lubumbashi vers Kisengo, dans le Tanganyika, au Katanga, en République démocratique du Congo, pour la visite du centre hospitalier de Kisengo. Conduite par M. Pearl, la délégation a transité par Nyonzo avant d'atteindre Kisengo, où elle a été accueillie à sa descente dans la mine du coltan de Bovo par le responsable de Mining Miller Resources, MMR Esperel. Conduite par M. Itesh Chouk, directeur général de MMR, la délégation a commencé sa visite par la mine de Bovo. Ici, il y a 2 ans, l'exploitation était complètement artisanale et aujourd'hui, tout le processus d'exploitation est mécanisé par une bonne productivité. Avant de poursuivre avec la visite de l'hôpital, la délégation des Kemet est allée aussi visiter la laverie, nouvellement construite par MMR. C'est après avoir visité tout le processus de production du concentré de coltan, du chargement des minerais en provenance de la mine, en passant par tous les dispositifs de concentration jusqu'à l'obtention du coltan débarrassé de sa gague, que la délégation a pris la route du centre hospitalier de la référence de Kisengo. The purpose of the visit this time is really to look at the sustainability social programs that we've been working with over the last couple of years. So I wanted to see this because, of course, this is my business. But the real purpose is to ensure that the social programs are doing what we intended them to do. I think what we would like to do is to continue to build it. And now we are getting, I'd say, 50-60% of our tantalum requirements, not maybe a little less, from the Kisengo mine. And then of course there's a lot of other things that happens before it gets into a capacity, but a lot of the needs we have comes from here, and so it's a good balance between, I think, what we can do industrial and provide work here, as well as ensuring the social. Voici le centre hospitalier de référence de Kisengo, fruit de l'engagement du social de MMR avec Kemet à travers Kisengo Foundation. C'est dans ce tel genre de bâtiment que nous travaillons. Mais aujourd'hui, nous sommes fortement contents parce que nous avons un grand bâtiment qui fera que tous les gens qui vivent loin de Kisengo, les localités voisines, viendront solliciter les soins et se faire soigner localement. Passant de salle en salle, sous la conduite du Dr John, la délégation de Kemet a coïncidé avec la naissance du premier-né dans cet hôpital, à la grande satisfaction de tous. First baby at Kisengo Hospital. Dr. John. I know, right? So they know more than walking in here. Here it is. So this is the piece of equipment. We're going to cure. We're going to bring it home. Ce nouveau centre hospitalier de Kisengo est suffisamment équipé pour répondre aux besoins en santé de la population de Kisengo et ses environs. De l'accueil des patients, en passant par les cabinets de consultation, les chambres pour les malades, après la visite du centre hospitalier, la délégation s'est rendue à l'école. Still used? No, now we use that one. But this is now still using, yes. No, but it's still continuing. Assis dans une salle de classe, la délégation des Kemet, MMR et Kisengo Foundation sont heureux d'offrir ce cadre éducatif aux enfants de Kisengo. Le chef de Kisengo et les représentants de Kemet ont saisi cette opportunité pour remettre la coupe à l'équipe des élèves ayant gagné à un tournoi organisé pour fêter la nouvelle école. Et Kisengo Foundation a offert des cahiers aux élèves pour la nouvelle année scolaire. MMR redonner de l'espoir aux populations congolaises. Et Kemet, 100% conflict-free tantalum.